Chers membres du gouvernement, mesdames et messieurs, distingués invités, en voulant qualité égale, assalamu alaikum. C'est un honneur et un privilège pour moi, en tant que ministre de la Culture et actuellement chargé de l'intérim du chef de l'État, de vous accueillir chaleureusement ici, en Moroni, au cœur de l'Union des Comores, à l'occasion de ce 6e congrès culturel panafricain. Permettez-moi d'adresser mes salutations les plus sincères à chacun d'entre vous, venus des quatre coins du continent africain, porteurs de la diversité culturelle qui fait de la richesse de notre continent. Welcome to Comores. Votre présence ici témoigne de l'importance que vous apportez à ce rendez-vous culturel majeur, et nous sommes honorés que cette édition se tienne pour la première fois sur le sol comorien. C'est une fierté pour notre nation, petite par sa taille géographique, mais immense par son histoire, sa culture et son engagement en faveur de l'unité africaine. L'Union des Comores, niché au carrefour de l'océan Indien et de l'Afrique, est un archipel marqué par des influences diverses. Nos traditions, notre langue et notre mode de vie sont un véritable mélange de civilisations africaines, arabes et malgaches. Ce passage a façonné une culture unique, vivante et profondément enracinée dans des valeurs de paix, de solidarité et de partage. La musique, la danse, l'artisanat, ainsi que notre patrimoine immatériel reflètent cette diversité et nous rappelons que l'Afrique, dans toute sa pluralité, est unie par des fils invisibles de fraternité et d'histoire commune. Il est particulièrement symbolique que ce congrès se tienne ici à Moroni, alors que nous célébrons ensemble notre culture et notre patrimoine en tant que levier essentiel pour bâtir l'Afrique que nous voulons. Ce congrès, placé sous le thème des arts, culture, patrimoine et éducation, est l'occasion pour nous de réfléchir à la manière dont ces piliers peuvent façonner et avenir prometteurs pour notre continent. Je félicite chaleureusement l'équipe organisatrice ainsi que tous les acteurs et partenaires pour leur dévouement et leur travail acharné qui ont permis de rendre cet événement possible. Le choix des Comores pour abriter ce congrès témoigne de la confiance qui nous est accordée et de notre engagement à soutenir et promouvoir la culture panafricaine. Je profite de cette occasion pour féliciter le leadership de notre président, Son Excellence, M. Azali Assoumani, à la tête de l'Union africaine, qui était aussi une première dans l'histoire de notre pays. Les discussions et échanges au cours de ces trois jours porteront sur des thématiques cruciales telles que la restitution des ressources patrimoniales, le développement des industries culturelles et créatives et le rôle de l'éducation artistique. Ces thèmes ne sont pas seulement des sujets de débat, mais des pistes concrètes pour faire de la culture un moteur de transformation sociale, économique et politique pour notre continent. En conclusion, je souhaite à toutes et à tous des échanges fructueux, riches et inspirants. Que ce congrès soit l'occasion d'établir des ponts entre nos différentes nations, d'enrichir notre compréhension mutuelle et de renforcer notre engagement commun pour l'avenir culturel de l'Afrique. Ensemble, faisons en sorte que ce 6e congrès culturel panafricain marque un tournant décisif dans la construction de cette Afrique que nous voulons tous, une Afrique forte de son histoire et de sa diversité culturelle. Je vous remercie.
Once again, let's give a round of applause for Her Excellency. I would like to take this opportunity to sincerely thank the government of Comoros and the elegant excellency. I must say you look amazingly elegant and cultural. As we progress with our program, my colleague Kassel will now welcome our host, organizing committee lead, to give us a few words, vote of thanks, and let us know about the rest of the program. Thank you. Sans plus tarder, on va maintenant c'est le tour de l'organisateur, du président de l'organisation, sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu. Il va partager avec nous certaines choses dont lui seul a le secret. On va l'applaudir en l'accueillant pour le fiscal. Après le discours du président par intérim de la République, il n'y a pas un discours. C'est juste un mot d'information avant de quitter la salle. Et permettez-moi, avant de présenter mon mot d'information, d'adresser nos sincères remerciements à Son Excellence, à Zali Assoumani, président de l'Union des Comores, et président sortant de l'Union africaine, d'avoir placé l'unité africaine au cœur de sa préoccupation. Mais ces remerciements vont aussi à l'endroit du membre du gouvernement, et plus particulièrement à Son Excellence le secrétaire général du gouvernement, qui sans lui, on n'aurait pu réaliser cet événement aujourd'hui. Je voudrais aussi exprimer notre profonde gratitude à la délégation de l'Union africaine, plus particulièrement et exceptionnellement à Madame Angela Martin, qui soit aussi audacieuse, pour sa détermination et sa motivation à accompagner les gens de Comores à la réalisation de cet événement. Merci aux partenaires diplomatiques, aux experts qui vont aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, enrichir ces débats par leur savoir tout en renforçant la coopération culturelle à travers le continent. Merci aussi aux médias, aux réseaux sociaux, pour tous les efforts consentis et déployés pour pouvoir nous accompagner à la réalisation de cet événement. Je voudrais juste apporter quelques informations par rapport à ce qui va se réaliser à partir d'aujourd'hui et par rapport aussi aux missions qui ont été menées par les équipes. Pour vous dire que nous avons été assis par le gouvernement comorien à assurer un travail qui méritait un exercice, une coordination de l'ensemble des ministères de la culture et des arts, de la communication, des affaires étrangères, de l'agent de la défense, de la communication, en vue de pouvoir rendre cet événement positif et émouvant. C'est dans ce sens qu'ici, je voudrais montrer les différentes responsabilités qui ont été menées par l'équipe de communication. Le gouvernement comorien a veillé à une communication fluide via des canaux modernes et traditionnels pour informer l'opinion publique pour l'importance de cet événement panafricain. Des équipes dédiées ont assuré l'importance de cet événement panafricain
en vue de pouvoir couvrir tout ce qui est relatif à la communication, aussi bien au niveau national, régional et international. Dans le cadre du protocole et visa, des mesures spéciales ont été prises pour faciliter l'obtention de visa avec une assistance de l'aéroport jusqu'à l'hôtel avec des dispositions protocolaires strictes en vue de pouvoir accueillir dignement les délégations et les invités. Des navettes ont été et seront menées et mises en place pour assurer le déplacement des participants depuis leur arrivée jusqu'au lieu et aussi depuis leurs hôtels jusqu'au lieu de l'événement. Les délégations sont logées dans des hôtels offrant des installations modernes, garantissant un confort optimal durant leur séjour au Comores. Le gouvernement a aussi engagé et recommandé à l'équipe du comité d'organisation à déployer des dispositifs de sécurité renforcés pour assurer un environnement sécurisé tout au long du congrès. Et des équipes médicales sont également présentes pour répondre aux besoins de santé des participants. Des services de communication sont mis à la disposition avec des équipements de qualité, y compris des services Internet et téléphoniques pour garantir une bonne coordination. Et c'est dans ce sens que le confort, la paix et la sécurité ont été la devise et la demande du gouvernement pour mener à bien cet événement. Nous vous souhaitons des bienvenus et nous vous remercions de votre présence au Comores.